Salut tout le monde, c'est Largouin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft sur IVMC et on va faire un petit peu de hide and seek. Donc hide and seek, non ça c'est pas Skywars. En vrai ça pourrait faire un NPC de Sky de hide and seek, ça, vu que c'est un arbre en fait, un homme arbre. Mais le hide and seek, alors où est-ce qu'il est autour de ça? Je l'ai dans la boussole, voilà, hide and seek ici. Voilà, et là. Quick join. Donc on rejoint la queue. Donc là on va voter pour une map. Donc en map on a alors Shipyard. Je sais pas ce que c'est. Pineapple Port, Sunset Terrace. Ouais, Paris, vas-y. On s'en fout, Paris. J'habite près de Paris, donc Paris, allez, c'est tout. C'est simple. Et d'ailleurs, il y a en achievement, on a des je sais pas si c'est affiché ici. Voilà, achievement. On a un achievement plutôt cool à essayer de voir, qui est in progress, c'est tuer 250 personnes, 250 hiders. Donc ça, je sais plus trop ce que c'est en fait. Kill Asseeker et ah ouais, ok, ok, donc ah c'est comme le mec qui cherche. Non, ok, je croyais que c'était l'inverse. Je me disais putain, mais 75 déjà, je suis putain de fort quoi en fait. Genre une plante qui tue 75 chasseurs en fait, c'est énorme ça, tu voyez en fait. Enfin tu vois, c'est énorme ça. Ben en fait non, kill as hider, j'en suis à zéro. Putain, je suis déçu. Je suis déçu. Bon, du coup, settings, qu'est-ce qu'il y a en settings? Ouais, c'est bon, c'est des trucs basiques. 5 joueurs requis pour démarrer. Il y a quoi d'autre comme achievement? Parce que je me suis pas trop penché sur ça. À part ça qui m'intéressait. Slaughterfest. Kill 500 hiders. Ah, c'est le truc au-dessus. Et ça, c'est le truc encore au-dessus, ok. C'est pour ça que c'est marqué in progress. Tue un bloc de neige. Améliore un... What? Ok, donc il faut améliorer un bloc au niveau maximum. Donc ça doit être pour leur shop qu'on avait. Du coup, apparemment, il y a des niveaux de blocs. Je crois que j'étais pas au courant de ça, qu'il y avait des niveaux de blocs. En vrai, c'est quoi les niveaux de blocs? Faut se demander quand même. Qu'est-ce que ça va être? Parce que... Ouais, on peut être camouflé par un bloc. Mais à part ça, en fait... Qu'est-ce qu'il va avoir de meilleur un bloc de niveau 2 qu'un bloc de niveau 1? De pastèque par exemple. Il y aura aucune différence, non? Peut-être qu'il va mettre moins de temps à prendre sa place solide. Ouais, non, c'est nul. Kill your first seeker. 25... Ah, c'est bien. Ça c'est mieux. En vrai, j'ai plus envie de tester celui-là que l'autre. Genre, j'ai plus envie de tester les seekers que l'autre qui est là. Waouh, je lag vraiment beaucoup aujourd'hui. C'est énorme. Bon. Ah, nickel. Voilà. Donc, voilà. C'est mieux tuer tous les 25 seekers que les 250 aiders. Moi, je dis que c'est mieux de tuer ceux qui cherchent. Parce que franchement, il y a plus de défis dès qu'on est un bloc. Genre, dès qu'on est une plante et qu'on veut tuer le mec en diamant, par exemple. C'est plutôt cool, en fait. C'est trop drôle, déjà. On en parle? On en parle? En vrai, vous avez pas vu toutes les fois où j'ai galéré à passer ce truc-là? À passer du jump là-bas jusqu'ici. Vous l'avez pas vu? Vous l'avez pas vu? Bon, là, c'est pas aujourd'hui. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai essayé plusieurs fois de... What? Merde. J'ai eu peur, je me suis dit... Mais non, depuis tout ce temps, on pouvait casser les blocs et passer au-dessus. En fait, non, c'est bon, ça va. Ok. Je suis rassuré. Où est la fin du jump? Ah, on peut passer par là? Attendez. Oh, il y a une échelle là-haut. Il y a une échelle là-haut. Waouh. 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 Je suis le mec qui lag le plus au monde là. Faut quand même le dire en fait. Ah.
Hop! Hop! On passe par là. Ici. Et là. On a... Non, allez. T'es où l'échelle? T'es où? T'es où? Ok. Un jukebox. J'allais dire pot de fleurs, mais non, jukebox. Je voulais juste pas choisir pot de fleurs. Donc, ouais, on est bien jukebox. J'ai eu peur avec mon lag. J'ai eu trop peur déjà que là. Voilà, c'est merveilleux. Voici, vous voyez ceux qui ont une bonne connexion à quoi ressemble un mec qui lag. Qu'est-ce qu'il voit sur son écran? Voilà. Voilà, on se voit chuter et puis perdre de la vie. Parce que on a... Non, non, en fait, non. Je perds pas de la vie, en vrai, je suis juste bloqué dans un bloc. Donc, voilà. À quoi ça ressemble? Attendez. Ah oui, c'est ça, niveau 1 jukebox. C'est bien ce que j'ai dit. C'est le fait de se camoufler en restant immobile. Combien de temps on va mettre à se camoufler? Nickel. Je suis sûr que le mec est déjà sur ma trace. Là, je peux pas avancer. Waouh! En vrai, je voulais faire une vidéo genre on lag moins que d'habitude pour surtout pour les commentaires que Streetlords a pu me faire, comme quoi la dernière vidéo je lag. On en parle, putain. Je laguais moins. En fait, c'est improbable. Aïe. Ok, c'était trop improbable. Le mec, on l'a. Ok, on l'avait passé sur moi. Et le mec, il a pas tilté que j'étais là. Ou alors il m'avait déjà tué. Mais je le voyais pas vu qu'il me tapait derrière d'abord. C'est une autre possibilité en fait. Mais je préfère dire qu'il m'avait pas vu. Bon, je vais vous retrouver dès que je vais moins laguer au moins. Si j'arrive à moins laguer ce soir, parce que sinon, ça sera triste. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, à tout à l'heure. OMG, ça lag plus! Enfin, non. J'ai pas envie de faire du putaclic, on va me dire que c'est du... Ça lag encore. Mais bon, c'est comme d'habitude en fait. Donc dès que je dis ça lag plus, c'est juste que ça lag un petit peu pour vous en fait. C'est pour vous c'est du lag. Pour moi c'est pas du lag. Pour moi c'est habituel. Oh nickel, on va pouvoir rejoindre. Ouais. Bon en vrai ça a pas duré si longtemps l'ellipse. Je vais pas vous le cacher, ça a duré 5 minutes. J'ai juste relancé Minecraft et puis c'était bon. Donc ça va. Mais bon, j'espère que ça va pas se reproduire. Parce que mon jeu est quand même capricieux. Je veux dire capricieux, voilà. Et bon, apparemment, ma bouche voulait dire crabe. Bah, mon jeu est crabe. Voilà. Pourquoi il y a un mec en bleu clair et nous on est tous en bleu foncé dans le tab? Quelle est cette discrimination? Pourquoi on n'a pas le droit à un pseudo en bleu clair, nous aussi, hein? Hein, pour... Moi aussi, je veux un pseudo bleu clair. Bon. Est-ce que on va réussir, juste? Ouais, on fait... Ouais, tranquille, tu vois. Tranquille, pépère. J'ai envie de retenter. Non, mais vraiment. Attendez. Non, bloc sélection, une 14 secondes. Les gars, s'il vous plaît, laissez-moi. Non, non, j'ai fait le monceau. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais changer en 2 secondes. Est-ce que je peux quitter l'inventaire? Hop, merci. Oui. Non, je suis dégoûté. J'y arrivais pas avant. Vraiment, je vous jure, j'y arrivais jamais. Là, j'y arrive à tous les coups. C'est quoi ce truc? Oh, on lag plus. Nickel. Allez, nickel. Bon, la vidéo fera je sais pas combien de temps. 15 minutes peut-être. Ou un peu plus. Mais nickel, ça lag plus. Waouh. Magnifique. Merde. Merde. Ok, on passe par là. En vrai, la map, il y a tellement de déco là-dessus que... T'as... Non. C'est des plantes dedans. Moi, je suis juste un pot vide.
Bah, un pot vide au-dessus d'un autre pot, je vois pas qu'est-ce qui vous choque. Ah merde, on peut pas devenir solide. De toute façon, il y a aucune manière ici. Moi, ici, je mettrais bien un plot. Un plot. Un pot. Niveau 3. Ah, je suis niveau 3 avec ce pot. C'est selon comment on l'utilise, en fait. Ok. Oh, bien. Ah non, niveau 4. Comment, en fait, on m'explique. C'est le fait de se balader avec le pot. Je suis pas là, 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 je suis pas là. Tu m'as pas vu! Non! Merde! Non! Ok. Oui, non, au revoir, bonjour! Bonjour, je monte les escaliers! Ah là 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 non putain non bordel j'ai pourtant je croyais que j'étais bien caché c'est tellement faux ah toi tu es faux non non toi tu n'es pas faux vu que t'es invisible personne ah. Tu es une fausse. Non, t'es pas une fausse table de craft. Ouais, non, en vrai, c'est pas un... ça, c'est pas un pot de fleurs. C'est impossible. Par contre, j'ai vu un jukebox par là. Donc, il y a un jukebox qui est faux dans le coin. Toi, tu es vrai. Mais il y a un faux dans le coin, c'est obligé. Ou alors, il s'est fait tuer derrière. Et c'était le cadavre qu'on a vu par terre. Dans ce cas, bah, rip à toi, rest in peace. Et bah voilà, c'est tout. De toute façon, t'es déjà mort, donc je peux rien dire de plus. Pourquoi je passe au-dessus des pots, mais je m'en fous. Vous êtes tous faux, en fait, à côté, donc... Essayez pas de vous cacher. Ah oui, là, il y avait la place pour deux autres beacons, et on n'aurait pas cramé le truc. C'est fait exprès, en fait, c'est des... En fait, ils font des constructions, et ils font exprès d'enlever des blocs. Voilà, je vous donne un truc que vous ne saviez pas. Oh, on a perdu, merde. Un truc que vous saviez pas. Bah, les maps, c'est fait exprès pour qu'on puisse se cacher dedans, ils enlèvent des blocs. Ouais, applaudissez-moi, dites-moi merci, parce que franchement, c'est un détail important que je vous ai donné. Il y a 100 mois, vous ne l'auriez pas su. Et puis, ça vous sauve la journée de le savoir. Voilà, rules et infos. Ne triche pas. Ne glitch. Merde. Attendez. Glitch et cheat, c'est la même chose ou pas? Glitch, c'est ah, pour moi ça peut être bloqué dans un chunk, par exemple glitch dans un bloc. Bloqué dans un bloc. Oui, il y a deux fois le mot bloqué, mais bon. Enfin bloc. Mais bloqué dans un bloc, par exemple. Comme moi tout à l'heure, mais en fait je sais pas comment il me voyait parce que en réalité je sais pas comment on voit des genre le lac qu'on a eu tout à l'heure je sais pas comment les autres pouvaient me voir s'ils me voyaient pas du tout s'ils me voyaient bugger en dans un bloc en dessous ou s'ils me voyaient normal juste pas bouger peut-être qu'ils me voyaient pas bouger c'est la seule option que je pense probable qu'ils me voyaient pas bouger mais à part ça ouais. Bon, en gros, il me voyait pas bouger, je pense. Alors, on n'a pas voté. Le vote, c'est pays. Le vote, c'est là. Et une terrasse. Allez, on fait 8 votes. Et voilà, bon bah la map, c'est sûr qu'elle va être choisie. Donc on n'était pas arrivé hyper loin. Donc là, bloc sélection in 57 secondes. Déjà, où est l'échelle? Ah, là-haut. Comment on fait pour monter, en fait? Non, mais les gars... Ah, ok. C'est bon. J'ai cru qu'il fallait qu'on m'explique, quand même. Mais non, en fait. Oui, on peut monter. Le mec qui me dépasse... Non, tu... Merde! Je voulais dire qu'il me dépassait pas comme ça, que... En fait, on dépasse pas le pro, mais... Mais autant dire que... Ah merde, moi aussi, je me suis foiré deux fois.
Lui, il s'est foiré une seule fois. C'est un peu triste. Oh, yes! 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 Ah! J'ai pas envie de faire croire que c'est que je l'ai fait du premier coup quand même. Parce que voilà, j'ai envie de montrer que de la pitié, voilà, vous ayez de la pitié pour ma connexion et tout. De la clé, vas-y. De l'argile. Merde! Je peux pas monter. Et il n'y a pas d'autre moyen de monter? Ah, c'est à partir de ce bloc. Apparemment, si on fait ça, ah! La légende dit que j'ai réussi à sauter. En vrai, non. En vrai, j'ai réussi. Mais que j'ai réussi à atteindre la plateforme. C'est la légende qui le dit. C'est pas moi. Où est-ce qu'on peut poser un bloc de clay? On est de quelle couleur? Ardennette clay. Je sais pas quelle couleur on est. Le mec, il s'est caché dans un escalier, quand même. Faut le faire, quoi. Et en vrai, les niveaux, ça doit être au niveau de la partie, on est niveau 1, et ensuite on arrive niveau 50. Pas niveau 50 non plus, bah, je sais, peut-être niveau, en vrai, niveau 6, 7, peut-être 10 maximum. Là, ouais, là, il peut, bah, y a aucun endroit pour me cacher, en fait. C'est quoi cette discrimination? Y a aucun endroit, les gars. Y a vraiment aucune place. Y a pas d'autre clé autre part, non, rien du tout. Je vais devoir me balader toute la partie, en fait. C'est, ah! Si! Si! Merde. Attendez. Je ressemble à ça. Hein. 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 Ok. Ils vont pas tilter, ils vont pas tilter, les gars. C'est de la clé aussi à côté de moi. Personne ne va remarquer, vous voyez, personne ne va remarquer. Ouais, j'ai une meilleure cachette. Merde, y a un mec à côté. Nickel, j'ai peur qu'il se déplace avec moi le bloc. Que je puis fixe. Ouais, je voulais me mettre au-dessus. What? Attendez, on a vu un bloc de TNT faire un saut comme ça. Le mec, il a plané ou... C'était pas un bloc de TNT. C'était quoi? Ah, Toons. Ouais, bon. Moi, voilà. Qu'est-ce que ça fait comme effet? Un truc tout nul. C'est pour ça que ça coûtait que 8. C'est pour ça que j'en ai eu que 8. Des points. C'est pour ça. Oh! Oh, je suis un génie! Je suis le seul bloc qui l'a pas tapé! Oh, les mecs! Il a, non, en vrai, il a pas tapé le mec derrière. Mais en vrai, il va le taper là. Il va me taper, il va me taper, il va me taper, il va me... OMG! C'est abusé! Le mec, il a tapé la feuille. Il a tapé là, il a tapé sur le bout de la feuille, il n'a pas tapé sur le bloc. Oh putain, je suis un chanceux. Je le savais. Oh, une fausse bibliothèque. On l'aurait pas remarqué en vrai. Mais une fausse bibliothèque là-bas. Level 6. Oh, le mec a réussi à monter niveau 6, donc il s'est baladé partout en fait. Oh, vas-y. Genre, non. Ah, bah non, bah oui, t'es mort. Je vais me rebeller avec lui, mais bon. Il est mort. J'y peux rien en fait. Voilà. Ah, les niveaux, oui, c'est aussi avec ça. Ok. 4 points par expérience. Ah mais non en fait. Non! Non, tu m'as pas vu! En plus, j'étais dans le menu, je pouvais pas te taper. Mais non, tu m'avais pas vu! Oh, oh, il y en a d'autres qui ont choisi la clé en fait. Il y en a d'autres qui se sont planqués ici. Ouais, ils se sont planqués là, c'est obligé. C'est obligé. Ah mais non, en fait, il y avait des planques au spawn pour la clé. C'est tout. Il n'y en avait pas autre part. La planque que j'ai trouvée, c'était la meilleure autre part qu'au spawn. Ou alors j'étais à côté. Mais du coup, j'ai pas remarqué que j'étais à côté. Peut-être j'étais à côté vu que j'ai tourné en rond. Mais je sais pas si je l'étais ou pas. Ah, bah. Bah si, il y a de la place là.
Les gars, y en a un qui se place là, personne ne voit rien en fait. Donc, il y a total. En vrai, la meilleure place, ça serait. J'aurais dit là, ou à côté. Non, pas à côté du phare. Ça paraît suspect vu qu'ils sont tous éloignés en fait. C'est pour ça que je le mettrais pas à côté du phare. Ah, oh, ils se font taper quand même. La meilleure place, ici. Ouais, ça serait là, sans doute. Ça serait là. Personne ne penserait à le taper ici. Ou alors, moi. Mais personne à part moi. Voilà. Mais ouais, du coup, il y a des bonnes cachettes par là, en fait. Des bonnes cachettes aux yeux de tous, en fait. Les gars, les meilleures cachettes, c'est quand on est aux yeux de tous. Mais que personne nous voit. C'est un fait. Avouez-le. Ou alors qu'on est vraiment hyper bien caché et qu'on est tout derrière. J'ai encore perdu. Et qu'on est genre dans des planques que personne ne connaît. Mais vu que on passe tous un jour dans les mecs qui recherchent, bah on connaît les planques. Voilà. Et vu qu'il y a beaucoup de parties, on connaît les planques. Voilà. Alors que si on fait des cache-cache ou des trucs comme ça, ou chasse à l'homme, voilà. C'est ce que je cherchais le mot. Chasse à l'homme où on fait comme moi, où on essaie de se cacher à fond pour pas se faire attaquer. Donc en gros, c'est la vision de la chasse à l'homme, vu qu'il y a plusieurs versions de chasse à l'homme, c'est celle où en fait on est caché du coup en fait où il y a un loup. De base, ou deux, je crois qu'il y en a deux. Je l'avais fait comme ça, genre c'est de la virelle, du coup il y a deux loups. Et du coup, tout le monde, et la personne qui va se cacher, il y a un médecin aussi. Et du coup, on a les loups qui vont mettre des marques au mec qui se cache, s'il les trouve, qu'il les attrape. Donc s'il les attrape, ils leur mettent une marque, donc une première marque sur la main par exemple, donc avec un feutre typiquement. Et du coup, avec cette marque, ça va dire ouais, on a une marque. Du coup, on a été touché une fois par les loups. Et du coup, dès qu'on arrive à deux marques, il me semble soit on est éliminé, soit on arrive loup. Je sais plus quelle version c'est, mais il me semble c'est plus on arrive loup parce que j'ai vu personne d'éliminé. Donc voilà, on arrive à deux marques, on arrive loup comme les autres, à rechercher les autres. Et du coup, les mecs qui sont cachés, ils doivent se planquer à fond, essayer de gagner comme ça. Donc voilà, et puis après, il y a les loups aussi qui doivent essayer de gagner, s'ils trouvent tout le monde. Évidemment, moi, vu que je suis très bon en planque, et là, en vrai, c'est pas faux. Je vais pas dire c'est faux, parce que c'est vrai. Parce que en vrai, en réalité, à l'endroit où on avait fait ça, donc c'était en colonie de vacances, donc c'était un VVF, donc village vacances en France, qui s'appelait, qui était, je sais plus où, je crois que c'est La Turballe, il me semble. Il me semble que c'est La Turballe. Je vais peut-être mettre un lien en description de ce que c'est, en fait, village vacances, et puis surtout juste, en vrai, juste le lien sans doute du VVF où je suis allé. Et où j'ai fait ce petit jeu fort sympathique où du coup on devait se cacher et où moi en fait on faisait le jeu le soir déjà. On nous avait dit ouais vous pouvez revenir genre je sais plus à une certaine heure il me semble. Bon les mecs évidemment vu qu'ils se faisaient tous trouver sauf moi avant la fin du temps. Ils se faisaient trouver plusieurs fois et ils étaient tous éliminés avant la fin du temps. Bien, en fait, il se trouve que du coup, ils se faisaient chier en fait du coup à attendre vu que déjà ils m'avaient même oublié que j'étais caché. Voilà, faut le faire en fait. Ils avaient oublié que j'étais caché. Je crois que j'avais fait plusieurs parties. C'était pareil, quasiment à toutes les parties, ils avaient oublié que j'étais caché. Donc bah du coup ils arrêtent la partie, ils disent c'est fini. Bon évidemment moi je suis un peu trop loin pour entendre ça. Je suis à la limite du village. Je suis planqué sous un arbre la nuit, donc personne ne me voit.
Donc voilà, et puis je suis resté là-dessus là-dessous un peu tard. Je me suis dit à un moment, personne qui vient me chercher en fait. Donc je suis parti essayer de les trouver, de voir en discrétion, voir si c'était fini. Puis là je les trouve tous, mais putain, mais on te cherchait partout. Putain, mais c'est la fin, ça fait longtemps que c'est fini. Non, en vrai, c'était pas le lendemain, vous en faites pas. On n'était pas le lendemain, on était juste le soir même. C'est juste que j'étais en retard de 30 minutes peut-être. Et il y en a une autre fois où la fois d'avant, j'avais réussi à me cacher dans le tronc d'un arbre. Il y avait un mec en haut de l'arbre qui se cachait aussi. Il savait même pas que j'étais dans l'arbre en fait. Enfin, dès que je me suis caché, ils savaient même pas que j'étais dans l'arbre, alors que ils étaient arrivés avant moi. Et du coup, voilà, le truc, c'est qu'il y a mon frère après qui est arrivé. Il était juste en face de l'arbre, devant, à l'entrée. Je le voyais en fait, à travers les feuilles. Je le voyais, moi, j'étais juste en mode dans un hamac avec avec un arbre. Ça faisait un peu mal. Il y avait des moustiques un peu partout qui m'attaquaient. Mais du coup, j'étais dans cet arbre comme ça. Il y avait du coup mon frère qui était un loup, qui cherchait les gens pour essayer de leur mettre les marques et tout. Juste devant, en train de causer avec le mec en haut de l'arbre, il disait qu'il avait eu la flemme d'aller le chercher en haut de l'arbre parce que du coup c'était un peu trop haut. Et du coup il me voyait pas. Pas du tout. Alors que moi je le voyais tranquillement à travers les feuilles. Voilà le niveau. Et du coup je m'étais pas fait trouver du tout. Donc le mec en haut, il a su que j'étais là juste après que mon frère soit parti parce que je lui ai dit "Eh, je suis là, on a eu chaud." J'ai fait "Putain, mais il y a un mec en dessous en fait." Bon, bref. Ça va faire une vidéo trop longue déjà en plus. Et puis l'histoire est finie. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo et puis cette histoire, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis donc, n'hésitez pas à la partager, à venir sur le serveur Discord aussi, où j'annonce dès que je suis un host sur Erysium. Bon, j'annonce pas non plus les records, parce que bon, des fois, je préfère faire les records seul, par exemple, contre des inconnus, comme là, par exemple, en IVMC, Hide and Seek, sinon tout le monde m'aurait cherché, en fait. Donc voilà, ça aurait été un peu stupide que tout le monde me suive. J'aurais été pas planqué du tout. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain. Et d'ailleurs, demain ou après-demain, il y aura, je vous le jure, vraiment, je vous le jure, il y aura la vidéo pour le début de l'énigme en fait sur internet. Enfin pas énigme, c'est jeu de piste, voilà. De la chasse au trésor sur internet que je mets en place pour gagner diverses récompenses. Qui va commencer demain ou après-demain pour vous. Pour moi, du coup, c'est dans plus de temps, un jour de plus. Mais du coup, pour vous, c'est demain ou après-demain. Et du coup voilà, vous aurez la vidéo demain ou après-demain. Bon, essayez quand même d'être rapide pour essayer de trouver le truc et tout, et pour essayer de voir la vidéo, sinon vous allez vous faire devancer par d'autres. Mais j'ai essayé d'imaginer un truc, donc j'ai imaginé quelques étapes un peu compliquées quand même, certaines, pour essayer de trouver pour essayer de trouver la solution à la fin, la fin en fait. Donc voilà, je vous dis pas plus de trucs et je vais voir comme l'eau peut-être vous mettre un compte Minecraft à gagner, mais je suis pas sûr de ça en fait. Voilà, surtout que vous serez pas énormément non plus à y participer, donc vu l'argent qui me reste, un compte Minecraft, je sais pas si c'est bien placé. Donc je verrai, à la limite je verrai juste avec grade sur mon serveur, gratuit, offert, voilà. Ça pourrait être bien aussi. Et j'ai du coup le dernier jeu Steam évidemment que je pourrais mettre aussi. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait,
partagez la vidéo à tous vos amis. Donc oui, je rush cette partie vu que je l'ai déjà dit. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss!